Ouais, je fais les petits loups. Les loulous, t'as nous sommes le lundi. Conquête qui a conduit Nicolas Sarkozy. 21 juin 2021. Il doit être. Oh, j'ai mis mon enfant. Hop, ça, dingue. C'est la fête de la musique ce soir. J'ai chanté. Il est 22h57 sur fin de regarder une émission sur Nicolas Sarkozy. Allez, terminons. Quand le petit Nicolas, Nicolas Polis, Nicolas. Alors. C'était dimanche, il y avait à Strasbourg, c'était cahier de pêcheur. Il y avait une bourse aux livres. Et puis j'ai rencontré des gens, des fans de Canard Enchaîné. J'ai essayé de les retourner, mais je ne sais plus retrouver. Et alors j'ai pu compléter ma collection des gendarmes. Les gendarmes, souriez, vous êtes flashés. C'est vendredi, c'est le jour des radars. Et alors là, j'ai pu, pour 3 euros. Les gendarmes flagrant c'est des BD, c'est des bons dessins, c'est excellent. Alors c'est assez rigolo parce que là, non, le gendarme flagrant délire, donc il est en train, ils sont en train de capter un cambrioleur. Hein. Et puis et l'image suivante est fantastique. J'adore la bande dessinée. L'image suivante, c'est à la place d'attraper le voleur il est en train de se barrer. Et puis surtout, c'est en train de regarder la BD. C'est la chanson de Diams. Moi, je veux pas être grand. Non, 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 non. Car je comprends rien pour l'instant. Et alors, dans 2 jours, ça va être le jour du canard. Coin, coin. Mais ça part, mon canard. Voilà. Alors, il y a tellement de choses à dire. Il y a quand même. Ce soir, je vous parle. Philippe Stocker vous parle du travail. Ah, der Stocker schafft wieder nem. Ah, il travaille plus. Bah, c'est pas moi, j'ai relancé. Je me rappelle que j'ai écrit un bouquin sur les auto-écoles. Hein, il doit être là, quelque part, dans le bordel. Avec comme objectif, puisque je peux toujours présenter ça à n'importe quel employeur qui serait susceptible de m'embaucher. Conseils pour bien commencer, tout ça. Voilà, c'est un bouquin que j'ai écrit sans que jamais aucun de mes précédents employeurs que j'ai ne me paye pour. Et la raison, elle est simple. C'est qu'ils veulent se faire du pognon. Que le système que je propose, bah ça réduirait de 50%. Donc un coucou à la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian. Save the bees, save the trees, save the snails, save those whales, sauver les abeilles, sauver les baleines. Quand George Carlin a dit c'est l'arrogance type, les écolos sont dans le monde du trial, on les appelle les écolos bournés. C'est l'arrogance type que de vouloir sauver la planète alors qu'on est absolument incapable de proposer aujourd'hui à l'heure actuelle à des gens comme moi ou à des retraités une retraite décente ou on est incapable de s'occuper de nous-mêmes, on s'occupe de la planète. Alors il explique Georges Carlin, il dit il explique que la Terre elle va se débarrasser de nous. Comme une vache éjecte une mouche de son cul avec un coup de queue, quoi. Il est gros, c'est Philippe Stocker. C'est pour lui. Alors voilà. Je vais vous parler du travail. Donc, le travail, alors à la base, le travail, c'est une mesure physique. C'est une force sur une distance dont l'unité de mesure est, je crois, le joule, un truc comme ça. Si on y rajoute le facteur temps, on arrive à ce qu'on appelle la puissance, c'est-à-dire
un cheval ou est égal à... Un cheval est égal à un poids de 70 kilos, qu'on ne devrait pas dire 70 kilos, mais 750 newtons, déplacé sur une hauteur de 1 mètre en une seconde. Et ça fait, je crois, en watts, 0,750, c'est watts. C'est... C'était mon prof de physique, il s'appelait Monsieur Somniars, il venait de Châtenois. Et puis il nous avait expliqué un jour qu'il y avait dans la salle à l'époque au lycée Schulgé, que j'ai fréquenté quand j'avais 17 ans, c'est-à-dire il y a très longtemps, il y a 42 ans. Et j'ai 50 ans, ouais, je disais, on va pas dire que Philippe Stoker il fait la 59, ça. Alors Monsieur Somniars, il nous avait dit, il y avait un truc où il y avait marqué la pub pour le baseball, comme dit George Carlin, It's a new national pastime, fuck baseball. Alors il avait dit, il y en avait un qui avait enlevé le B. Je vous laisse. Voilà. Donc, à base de travail, donc là, faut pas m'égarer, le travail, c'est une force sur une distance. Alors, on peut pas vraiment dire que ceux qui font un vrai boulot physique travaillent, entre guillemets, autant que ceux qui sont, vous savez, dans les administrations. L'administration comme ça, c'est, ils vont mettre un topo. J'y ai été, j'ai fait mon stage informatique à la préfecture de Strasbourg. Il y a 19 ans, c'était en 2002. Alors je passe quand même un coucou. Parce qu'avec un ami très sympathique, il y avait un monsieur qui s'appelait le directeur du service informatique de la préfecture de Strasbourg, qui s'appelait Thierry Barthélémy. Alors il y en a un, c'était Pierre Dubou, et il m'appelait Opel Dodge. Coucou Pierrot, si tu me vois aujourd'hui. Il roulait en vieille Opel à l'époque, parce que les cordonniers sont les moins bien chaussés, hors de question de foutre du pognon, moi, dans une bagnole, quoi. Mais par contre, j'en fous dans les bécanes de trial, pas beaucoup. Mais avec 1500 euros, on peut déjà acheter une petite moto de trial, une petite Beta RF3 qui fonctionne bien et avec laquelle on peut déjà franchir de l'obstacle. Pierre Dubo, un coucou de Opel Total, je suis. T'avais en face de toi à l'époque un pilote, un rider. Yeah. Alors, effectivement, au niveau de la dépense énergétique calorifique, alors je rajoute Gary aussi, puis je fais des parenthèses, tout ça, après on va dire, ah, il passe du coq à l'âne, les experts psychiatres, dans internet, tout ça, il vous fait un coucou aussi. Il faut savoir que j'ai passé 4h30 facilement de temps à essayer de contacter la préfecture, pas la préfecture, la mairie de Strasbourg, donc Jeanne Barzélian et ses deux secrétaires. Il y en a même une qui m'a menacé, puisque je la nomme expressément dans une vidéo YouTube. Enfin, je la marque, on est en caractère ASCII, c'est-à-dire que si on fait des recherches après Philippe Stoker, il m'aurait bon de vous immortaliser. Et il parlera même après la mort, parce que, bien entendu, comme je ne le cache pas, je suis en situation de surendettement, mais il y en a plein qui paniquent, qui vont me dire bon courage et tout ça, il n'y a aucun courage à avoir. C'est les crédits forclos, etc. Il y en a à zéro. Zéro! Alors, aujourd'hui encore, il y en a un qui m'a appelé. Oui, monsieur Stoker, mais je ne vous retrouve pas, mais vous n'avez pas un numéro, mais je ne suis pas un numéro! Ah là, il Alors voilà, donc si la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, vous ne voulez plus de voiture dans Strasbourg, à la place d'essayer de contacter pendant 4h30 de temps à dépenser mon énergie pour quelque chose dont de toute façon vous ne voulez pas, c'était beaucoup plus simple de me dire, comme ça j'aurais pu, parce que le temps c'est de l'argent, donc vous m'avez fait perdre 4h30 de temps, et du temps j'en ai pas. En tout cas, j'en ai plus beaucoup, faut que je rentre du pognon parce qu'en ce moment j'ai plus de voiture. Tu fais un peu de George Carlin, ou pas? But where are all these blind people? We don't have people like that. Everybody has it just smooth, boring his nose, buying sneakers.
with light in them. Je traduis. Où sont tous les brillants hommes politiques? Nous n'avons pas de politique comme ça. Tout le monde est au supermarché, en train de se curer le pif et en train d'acheter une paire de baskets avec des lumières clignotantes dedans. Voilà, voilà. Alors, je me retrouve à locataire du RSA. Wesh, wesh. Je cherche du travail. Les préférences à travail. J'accepte aussi le travail, payer les cash et tout ça. En ce moment, je suis en arrêt de maladie, j'ai le genou qui est malade. J'ai eu énormément de difficultés à retrouver quelqu'un. Pour prolonger, j'ai perdu une semaine en arrêt de maladie initial au 28 mai. Je ne m'appelle pas Martine Venner, la députée de la 4e circonscription de Strasbourg. Et je salue Elise Van Benen, la présidente, jeune avocate de 34 ans, sur la vidéo signe cardio d'avoir 35 ou 36. Ils ont porté plainte pour escroquerie auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Strasbourg. J'estime le préjudice. Donc Martine Venner est une psychiatre, bien entendu. J'ai deux amis dans ce monde, c'est les psychiatres. Ella Bankster, c'est Landers, Drug Money, Georges Carlin. Bien entendu, je pense que c'était une ancienne médecin-chef. Médecin de contrôle de la CPM, un truc comme ça. Et puis, c'est source FDI, le canard enchaîné d'Alsace, s'est mis en arrêt de maladie 6 mois avant précédant sa campagne électorale. Là, actuellement, en place. J'aurais discuté avec Roland Brenley, l'ancien maire de Benfeld, qui en 2020 m'a fait une attestation de bonne moralité. Ça veut dire que moi, j'en remarque pas les gens. On m'appelle Philou, mais. Pour l'auto-école, j'aurais plein d'exemples de gens qui se rappelleront et qui sont contents de ce que j'ai pu leur proposer comme charmé. Que dire de plus? That's what about the ruling class operated for they try to divide the rest of the people so they, the rich, can go off with the money to the bank. They spend billions of dollars lobbying to tell you what to believe, what to think, and what to buy. The table is still lit for the game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. These are persons of modest mean. It doesn't matter. The color of shirt you have on these people continue to elect these rich cocksuckers. They don't care about you. They don't give a fuck about you. I told it. Ça, je ressemble pas trop à George Carlin. Je suis désolé. Dans 20 ans. En tout cas, il n'a pas la grosse brioche que j'ai. George Carlin, mais il est extraordinaire. Il m'inspire beaucoup. Puis voilà, demain c'est mardi. Et puis j'ai du boulot. Ah, les allocataires du RSA. Ah, attention, ah, mon genou, mon dos. Je suis malade. Complètement malade. Ah, je vais me faire interner. End of.